Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, ça va. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, j'avais fait une petite vidéo où je réagissais à vos chaînes qui avaient très peu d'abonnés. Vous avez deviné, les mecs. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos chaînes avec très peu d'abonnés. Satan, et qui est mon manager, nous a préparé une liste d'une dizaine de chaînes YouTube. Est-ce que vous êtes prêts? On balance le générique, let's go! Première chaîne qui s'appelle Vidéo Vélo Wheeling. 22 abonnés, Wheeling MP4. Ok. Ah, il y a vraiment zéro commentaire. Ah oui. Ok, let's go. On va mettre le son. Elle s'arrête quand, l'introduction? Ah, ok. Voilà le cascadeur! Je fais ça, je vous jure que vous me retrouvez à l'hôpital dans les 10 prochaines minutes. Et c'est pas une blague. Bon, ça, c'est ouf comment est-ce que c'est des trucs que j'ai toujours voulu essayer de faire mais j'ai jamais réussi à faire. Il doit avoir quel âge? Il doit avoir 13-14 ans, je pense. 13-14 ans, il a 40 fois mon talent. Oh, il lève le vélo en Y. Putain, il le lève haut en vrai, hein. Ah, il est chaud. Non, en vrai, il est chaud. J'aurais bien aimé savoir faire ça. Putain. Pas mal, pas mal. Je vais te mettre un petit commentaire. J'aurais bien aimé savoir faire ça à 14 ans, mais tu connais ligament croisé. Ok, deuxième vidéo, top 1 armétique. Une intro des plus qualitatives. Premier commentaire, nul germain. Bah super ça. Bah c'est pas très gentil. Ah ok, du coup il fait un petit défi à la Tixi genre. Il doit récolter les armes mythiques et il doit faire top 1 avec. Vas-y, arrache-le. Tu peux le faire. Tu peux le faire, vas-y. Allez. Allez Jojo. Voilà. Ok, deuxième combat pour le BGF Terreau. Qui grimpe sur l'adversaire. Avec l'arme du démon. Et qui est la Thompson. Mais il est fort en vrai. En vrai, il est pas mauvais. Il commente et tout en plein fight. Oh, il parle comme Nexta, c'est trop mignon. Ok, troisième adversaire, allez. Il a la Thompson, il peut lui rentrer dedans et lui arracher sa mère. Hein. Vas-y. Rentre dedans, gros, tu t'en fous. Ah, ok. On voit la différence de cerveau entre lui et moi. Moi, j'étais là en mode rush-le, rush-le. Lui, il était là en mode attends, il a de nouveau pompe. On va se barrer, c'est mieux. Ok, il est crack. Oh. Il est en top 2 hein. Oh. Est-ce qu'il va le faire? Allez le monstre. Yes. Top 5. Non. Oh, oh c'est chaud. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud de ouf. Oh il a la haine. Oh, oh merde. Tu comprends que le mec il a le seum quand la vidéo elle s'arrête pile au moment où il meurt genre. Troisième vidéo qui est de François 2.0, être un indien à Paris. C'est un podcast. Oh, oh c'est cool ça. Oh c'est sympa. C'est la première fois je crois qu'on en voit. Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très très bien. Et bienvenue sur François 2.0. Comme d'habitude. Aujourd'hui je vais parler de mes origines. Ok. Précisément d'être un indien. Enfin encore plus précisément, être un tamoul. Si vous dites paki paki pak pak, bah ça veut dire que vous êtes raciste. Ça c'est vrai, c'est exactement ce que j'allais dire, vraiment. Alors, quand vous voyez un indien, vous dites paki paki pak pak. Alors si je dis pas de la merde, pak pak c'est raciste. Donc pour ceux qui savaient pas, ceux qui le disent régulièrement les mecs, pak pak, faut pas dire. Voilà, c'est pas sympa. C'est pas une langue, c'est une religion. Religion. T'as capté? Je me sens agressé, je sais pas pourquoi. Son t'as capté, il était trop. Oui, lui, mais fait. Non, mais lui, si je le vois en vrai, je le tape dans la gueule. Mais ça coûte de lui qu'on est comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Pour la thune. Bon, bref, c'est déjà la fin de ces vidéos. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. Ouais, c'était sympa. Non, j'ai bien aimé. C'est le premier podcast qu'on voit dans Je réagis à vos chaînes, qui est aux 0 abonnés. C'est sympa. Ok, il fait des vidéos sur des sujets, quoi. Apple, les plus gros escrocs. On va regarder Apple, les plus gros escrocs. Ok. Vas-y, let's go, on va regarder, hein. Peut-être la pire entreprise du 21e siècle. Ah, t'as de nouveau semé en escroquant ses clients. Nombre d'iPhone vendus en 2020 a dépassé les 195 millions. Que Apple vous escroque vraiment? Et la réponse est oui, Apple vous escroque. Pour... Ah bah, merde. Je me suis fait niquer du coup, hein. Je me suis fait escroquer, putain. Bon, ok, je suis pas tout à fait d'accord sur ce qu'il dit, mais bon, ça c'est pas le sujet. Mais la vidéo, je la trouve cool. Je la trouve cool parce que il avance ses arguments à lui, il explique, tu vois, il explique, il donne des arguments, il donne des photos, il montre,
Il explique bien à l'oral. Surtout ça qui est bien, c'est que à l'oral, il s'exprime bien. Que t'achètes. Mais le problème, c'est qu'Apple, quand t'es dans leur site, c'est comme si ils te vendaient du rêve. Ils comparent pas leurs produits avec les produits d'autres marques. En fait, ils comparent leurs produits avec les anciens produits Apple. Vous voyez, ça veut dire que c'est... Bah en même temps, frérot, ils vont pas te dire « Hey, si tu veux, il y a mieux là-bas, et pour moins cher. » Ils vendent du rêve aux gens alors que c'est faux. Moi, je vous conseille de pas acheter des produits Apple, c'est tout. Ok, ok, c'est cool. La vidéo est bien réalisée. Honnêtement, la vidéo est bien réalisée. Après, je vous ai dit, je suis pas tout à fait d'accord sur ce qui est dit. Mais elle est bien réalisée et pour ça, je vais mettre mon petit pouce bleu. On passe à la vidéo IRL, Amine et Kalem. Let's go. Qu'est-ce que tu nous proposes, Amine et Kalem? Oh, let's go de la dégustation. Oh là là. Salut YouTube, c'est Amine et Kalem. On espère que vous allez bien. Voilà, de la dégustation. Donc, les gars, on va vous présenter ce qu'on va manger. Voilà. Ok, c'est cool. Pour ma part. J'aime bien la vibe, j'aime de ouf la vibe. Les mecs, ils ont l'air de bien s'entendre, il y a l'air d'avoir un bon feeling. Et l'idée en plus, elle est cool. Pour Amine, on va très bien manger avec des frites à la sauce fromagère, avec du Pepsi. un croc dedans. Ah, c'est des tacos fait maison. Incroyable. Ils sont légèrement secs, mais ils sont trop bons. Donc c'est parti Amine pour la première anecdote. Vas-y, dis-la nous. Ouais, j'en ai une en tête. J'étais en primaire, je jouais avec mon pote. Genre, vous voyez les grosses boules où on fait boing boing. En gros, c'était grave bien, je me boing boing. Et d'un coup, je sens un truc froid. Je regarde, je vois, il y a que dalle. Et je vois aussi derrière, il y a tout le monde qui se fout de ma gueule. Ensuite, je me dis, vas-y, tranquille, je continue à faire du truc. Et puis le truc, je sens, il est de plus en plus froid. Du coup, je me lève, je vais aux toilettes et là, je vois quoi? Un énorme trou dans mon pantalon. Un truc de ouf. T'as ton trou de balle qui est à l'air et tu le sens pas. Enfin, tu te dis pas, il y a un souci. Il a raconté ça comme si tout était normal, genre. Je savais pas en fait que c'était un trou à la base. Je croyais que j'avais un problème. Genre, j'avais de l'eau sous mon pantalon ou un truc comme ça. Mais non, en fait, c'était juste un gros trou sous mon pantalon. Un petit croc dans le tacos parce que je crève la dalle. Un jour, j'étais chez mon pote, grosse dédicace à toi d'ailleurs. On était en train de jouer à la play. Et là, je sens mon short. Et je vois, ça pue la merde. Je vais dans ces toilettes, je chie. Je lève mon short, grosse flaque de caca. Ah ouais. Ah, on est sûr de la chiasse. Ils ont aucune gêne. Ils se retiennent pas, c'est bien. C'est bien, ils se retiennent pas, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merde, je vais faire comment? Et tu vois, j'étais petit, tu vois. J'ai presque vidé le PQ. Et je l'ai mis dans mon short. J'avais un short blanc. Aïe. Grosse plaque de caca sur le lit. En fait, à la base, tu t'es tout fait plancher dessus. Bon, ouais. Logique. J'en ai eu. J'étais en primaire, en CM1. C'est ma rentrée. Et je me sentais pas bien et tout. J'avais envie de chier avant. Pourquoi on parle que de caca? Voilà, voilà, voilà les vraies questions. En plus, pas comme si c'était le pire moment pour parler de merde. Ils sont en pleine dégustation de tacos. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Je me lève, je vais au chiottes. Je vois Yaki, mon petit ref. Il est assis comme assis sur les toilettes. Il est en train de gerber. J'avais l'impression que c'est trip. J'arrive même pas à identifier l'odeur tellement ça pue et sa grand-mère. J'aime énormément. J'aime bien le feeling qu'ils ont entre eux. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ils ont l'air de pas être gênés devant la caméra. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais m'abonner. Voici mon incroyable setup gaming 2020 de la part de Wakey. Let's go. Une vidéo, les gars, je vais vous présenter mon setup entier, PC, écran, vraiment tous les trucs que j'ai. Ah, il a gardé toutes les boîtes, le mec. Un casque, des ventilateurs et tout, par les trucs, quoi. Chacun son décor, hein. Lui, il met ses boîtes. Moi, je mets mes claviers. Chacun son délire. On va commencer par les écrans. Donc là, les gars, on a un Philips. Donc c'est ah, petit écran vertical. 173V. Pour streamer, c'est cool, ça, d'avoir un petit écran vertical. Le chat, etc. 60Hz, ça suffit. En périphérique, les gars, j'ai une souris. Donc voilà, donc c'est une souris HyperX que j'ai acheté vraiment d'urgence parce que j'ai cassé ma Logitech G502, j'ai ragé et je l'ai cassé. Ok, après, le clavier. Le clavier, donc c'est un clavier mécanique, donc c'est un TKL, il coûte à environ 60€ je crois. Mm-hmm. C'est un Millennium, donc c'est une marque, enfin c'est une petite. Ah ouais, je connais. C'est un bon clavier pour le prix, c'est un bon petit clavier. Bon, setup plutôt sympa, le mec il a sa petite chambre au calme, avec son petit bureau et tout, c'est cool. C'est un bon petit setup pour streamer ça. La prochaine vidéo, Satan, il l'a appelé animation. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, parce que si vous n'allez pas bien, eh ben, je vais vous mettre de bonne humeur. Je dis ça, mais parce que j'en suis clairement trop fier. Ah, c'est sympa. Il demande aux gens de lui donner, en gros, des situations à animer, et lui, il les fait en animation. Mais c'est trop cool. Deux mecs qui marchent sur les mains, qui serrent les pieds sur un avion, qui rebondissent sur un album de musique enceinte. Oui, j'ai des idées cheloues.
Du coup, les marches sur les mains, ils salent les pieds. C'est sympa. C'est cool de voir des gens faire ce qu'ils aiment. C'est rare en vrai. Hein. En vrai de vrai, c'est rare. Un dinosaure qui se fait couper. Un mec qui bouffe un dinosaure. Un singe dans l'espace, l'espace entre les dents. Les dents sont dans un magazine et le magazine est lu par un dinosaure dans une montgolfière. Alors. Un singe dans l'espace. L'espace qui est entre ses dents. Le trou noir. Le magazine. Abonnez-vous. Le dinosaure qui est dans mon golfière. Super cool. Comme concept. Continue. Ça, j'aime trop. J'aime trop voir des gens faire ce qu'ils kiffent. Soirée bowling qui sera le meilleur au Punching Ball de Samito TTV. Les gars, nouvelle vidéo. Nouveau vlog. Avec l'équipe. Avec le gang. Et les gars, là, petite soirée. Je vais vous passer les autres et vont vous expliquer ce qu'on va faire. On se rejoint tout de suite au bowling, on verra qui est le gagnant, les gars. C'est bon ? C'est là. Vas-y, est-ce qu'il va nous mettre un petit strike ? Oh, oh, oh ! On dirait, hein ? Oh, presque ! Mais ça va ! Il a fait le mec, quand même. Vous avez vu quand il s'est retourné et tout ? Wesh. Il a mis de ses patates, frère. What the fuck ? Il a détruit le truc, what the fuck ? Wesh, le bruit que ça a fait. Oui, ok, c'est des ninjas aussi. Ils ont... c'est quoi ces monstres ? La tarte. Grosse tarte. Une tarte en bleu. Voilà la tarte. Ah, avec les deux mains. Mais il va le détruire, le truc. Du coup, sur sa chaîne, il fait que des vlogs, je crois. Hein. Il fait des vlogs, petites miniatures et tout, c'est sympa. Hein. Les miniatures sont cool. T'as la dernière, j'aime beaucoup. Il y a les chaînes de tout le monde, les mecs, en description. Allez vous abonner. Allez donner de la force, si vous aimez. Le confinement, selon moi. Entre parenthèses, il a mis très drôle. On s'attend à quelque chose de plutôt rigolo, on va voir. Le mec, il s'est lâché dans les hashtags. Hein. Hashtag confinement, hashtag coronavirus, hashtag Covid, hashtag quarantaine, hashtag restez chez vous. Salut tout le monde, c'est Sénard, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un peu des sketchs en mode les cours en ligne et tout. Bon, c'est le confinement, selon moi. Tu vois, il y a des gens... Ils ont pas la chance d'avoir un jardin. Bon, c'est quand même la moitié de la population, mais bon. Et du coup, ils fabriquent des parcours et tout, qui font toute leur maison. Bon, petit exemple. Bon, niveau... Ça, c'est pas le confinement, ça, c'est le chômage, ça. C'est quoi, ça ? What the fuck ? Donc, nous allons maintenant aborder la leçon sur les fractions. Je vais vous demander d'ouvrir votre livre à la page 93. Et on va commencer par l'exercice 2. Attention, Sonart, tu as laissé ton micro ouvert. Non, c'est une blague. Oui, désolé, monsieur. C'est vrai que j'ai pas connu les cours en ligne, moi. J'ai... Bah, parce que du coup, j'ai eu mon bac il y a un an, quoi. Ça doit faire bizarre, en vrai, de voir son prof à travers un PC. Il a fait des trucs qui sont dans l'air du moment. Voilà, donc nous allons maintenant faire la correction de l'exercice. Ah, ça, vous avez pas me couiller. Il y a 80% des mecs qui font des cours en ligne. Ils coupent leur caméra, ils coupent leur microphone, et rien que ça fait des top 1. Je vous vois. Il est créatif, c'est cool. C'est cool, c'est sympa à voir. Voilà, bah allez vous abonner à sa chaîne. Ah, il fait tout type de vidéos. Des vlogs, des vidéos Fortnite, des tutos. Oh, c'est sympa. Bon, j'espère que ça vous a plu les potes. Voilà, on a regardé pas mal de petites chaînes quand même. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, de voir des nouvelles vidéos. Si vous voulez checker les chaînes des beaux gosses, ils sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous avez kiffé leurs vidéos, à vous abonner même. Ma chaîne préférée quand même, ça reste celle de Amine et Kalem. Je trouve qu'ils peuvent faire des bonnes vidéos ensemble, il y a un bon feeling. Et les mecs, dites-moi en commentaire si vous voulez un troisième épisode. Et n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, voilà, bande de beaux gosses. Ciao les gens, c'était IMS, fils. Sinon moi les mecs, je retourne passer par Feneux.